Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite dégustation spéciale Halloween. Voilà, bonjour tout le monde. Oh, compagnie de Nexus, ne vous foutez pas de nos maquillages, on a fait ce qu'on a pu et essayez de le maquiller lui, quand il bouge et quand il rigole en mode arrête de me chatouiller. Des blagues en même temps. Voilà, donc du coup on se retrouve pour une dégustation spéciale Halloween, donc on a pris que des produits qui sont sous le thème de Halloween. On les a commandés chez My American Market parce que la dernière fois on avait fait une dégustation Candy San. Et donc du coup là on a décidé de faire une dégustation My American Market. Donc tout d'abord on va faire quelque chose. J'espère que vous verrez sincèrement, sinon je rajouterai des petites photos au montage. Et on a pas mal de choses, mais d'abord on va commencer par ceci. Ceci est la boisson. C'est la boisson de la vidéo. Voilà, donc ceci est une boisson de Harry Potter, Flying Cauldron Butterscotch Beer, c'est une bière. Non alcoolisée, exactement. Voilà, il n'y a pas d'alcool dedans. J'espère que vous verrez bien, et il faut l'ouvrir. J'ai ce qu'il faut. Yeah, allez vas-y, ouvre ça, et on a pas mal de petites choses en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 produits, voilà, bah écoute, vas-y. Non. En plus avec le rouge à lèvres, ça va être génial. C'est non alcoolisé, bien évidemment. Ah, ça sent le Toplexil. Tu sais, le médicament pour la gorge, là. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah, vous voyez le Toplexil, le médicament dégueulasse pour la toux. Ah bah, c'est exactement la même chose. Bon bah, garde de côté au cas où ça a mal à la gorge. Ah, dégueulasse. Oh. Du coup, on commence par quoi? Choisis un produit. Je vous les remontre quand même. Vite fait. Moi, je veux goûter les cimetières, là. Tu veux goûter les cimetières? Allez. Voilà, les cimetières. Fais voir. Ah, alors ça, je sais pas ce que c'est. On va voir, c'est des espèces de... Il y a marqué Candy Bones, hein. On va vous dire ça. Hop. D'ailleurs, on vous rappelle que ce soir, si vous voyez bien la vidéo, le 31 octobre 2017, il y aura un live spécial Halloween. Oh, c'est des espèces de petits bonbons comme des pèses à l'intérieur, mais en forme d'os. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y en a trois. Ouais, il y en a trois dedans. C'est tous les mêmes goûts ou... Oui, c'est pareil, ça par contre. Okay. Ça par contre, je sais que c'est pareil. Et du coup, bah, tiens ton os. Tiens ton os. Ça se mange, c'est sûr? Oui, ça se mange. Je te promets, c'est vrai. C'est le vent du plastique. C'est sûr que ça se mange. Ah, si, croque dedans, c'est trop bon. Mmh. Ah, pas tant que ça en fait. Ah, ça sent beaucoup à des pèses. Ça ressemble énormément à des pèses. Franchement, c'est bof. Mmh. C'est pas super. Ensuite, alors, à toi choisir, du coup. On quitte pas les bases, hein. Les Skittles, voilà, c'est un de mes trucs préférés pour ceux qui ne sont pas au courant. Ils sont cauldron, goût chaudron. Super. Goût chaudron, c'est quoi le goût du chaudron? Ça normalement je vais kiffer parce que j'adore les Skittles en fait. Donc, sauf les jaunes. Mais je pense que ça devrait le faire. Moi je veux un bleu, tu veux un bleu aussi? Non. Bon, c'est un Skittles, c'est normal, hein. C'est un goût totalement indescriptible. C'est un goût de Skittles. Vous voyez les Skittles? Bah c'est pareil. Attends. C'est trop bon. C'est trop bon. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ah, ils ont pas tous le même goût, hein. Il avait pas même, le même goût le violet par rapport au bleu. Mmh. Franchement je sais pas quel goût ils ont. On met le côté parce que là c'est pas la poubelle. Voilà, ça c'est pas la poubelle, ça on va y manger. Du coup, je choisis un truc. C'est quoi ça? Non. Un œuf. Ça je sens pas ça. Vas-y, on fait ça. Alors du coup, ça là c'est une peanut butter. Peanut c'est la noix. Peanut. Ouais. Cacahuète. Cubescule. Hein. Écoutez, je vous montre ça. J'espère que vous les verrez bien les produits.
Ça a l'air d'être au chocolat, il y a une tête en chocolat dessus, t'as vu? Oui, je pense que c'est une barre de chocolat qui a fait pas mal de kilomètres. Oh, je le sens mal. Ça ressemble clairement à une barre de chocolat qui vient d'Amérique, quoi. Qui a totalement fondu et qui continue de fondre dans mes mains. Bon bah... C'est orange à l'intérieur. Ah. Ah, j'aime pas le caramel. C'est pas du caramel? Si. Si? Ah ouais, caramel et cacahuètes, je dirais. Ouais. Non, moi j'aime bien. Tiens. Non, je le finirai pas là. Et du coup, il aura fondu quand je voudrais le manger, donc ça sert plus à rien. Tant pis. Ah oui, ils font caramel. Ouais, ils font caramel. Ok, ensuite. Tiens, je vais prendre le truc que tu voulais pas. Non, pas du chocolat, je te dis pas du chocolat. Tu prends le truc que tu voulais pas. Alors, c'est un espèce de petit œuf, hein. Scream egg, hein. Voilà, donc je sais pas, il y a un espèce de splash orange dessus. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sens pas du tout. Mais si, regarde, c'est comme un Kinder. Non. Pourquoi c'est blanc à l'intérieur? Pourquoi c'est vert? C'est bon ou pas? Non mais attends, en fait je pense pas que ce soit normal le blanc là. Tu vois? Ah mon dieu, c'est horrible à l'intérieur! Ah c'est horrible! Tu changes pas ça moi? Ah, si. Ah non. C'est le but d'une dégustation. Goûte. Un petit bout. Oh. C'est un goût absolument spécial quand même. Ah, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Ah, c'est un arrière-goût. Je pense que c'est de l'espèce de pâte de sucre à l'intérieur. Oui, c'est ça. Verte. Ah, c'est pas bon. Ah, on est là pour se prendre que des trucs dégueulasses qui vont nous faire vomir après. C'est des pâtes au chocolat. Ah. Moi je vais goûter ça. Ah. Des vers de terre. Des petits vins. Oh. Oh, il faut les tremper dans du... Il faut les tremper dans un truc qui pique, regardez. Ah mais ouais, c'est ça, regarde. What level are you sure? What? Ok. Alors en fait... Voilà, t'as... Est-ce qu'il bouge? Comment ça il bouge? Arrête de faire des trucs comme ça. Oh là là. Bon bah le sol est orange. Moi je mange pas ça. Ah si, on dirait, tu sais, tes vaches qui rient là. Tu sais que c'est des trucs que tu trempes là. Ah ouais, j'avoue. Pourquoi tu m'affiches ça? Oh. Je sais pourquoi je sens que tu vas regretter. Rien que la texture, t'as l'impression de manger un asticot. Alors, j'adore le piquant, mais par contre, ça c'est dégueulasse. Ah. C'est bon en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des raisins. Oh non, encore du peanut butter. Bah, en même temps, c'est Halloween. Excuse-moi, mais en même temps, on peut pas faire autrement. Ah, tout aura été dégueulasse sauf les Skittles, quoi. Ouais, c'est le truc qui ressemble plus à des Skittles, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette chose encore là? Ça ressemble à rien. Bah, je crois qu'à la base, c'est censé ressembler à quelque chose, quoi. À la base, à une citrouille. Ah, bah. Essaye de repérer la citrouille là-dedans. Ah, t'as dit pumpkin parce que c'est marqué là en fait. Hein? Oh, c'est dégueulasse. Oh non. Ah. Sérieux, achète pas, arrête d'acheter du chocolat sur internet, s'il te plaît. Pourquoi on n'a pas pris une bouteille d'eau?
De la bière. C'est le dernier. Ah non, 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 pas ça. C'est le dernier. Courage. C'est bientôt fini. Ok, alors là on est. Là on a des Air Chase Cookies Cream Skull. Regardez. Alors ça, ça m'a l'air pas trop mal. Des cookies à forme de tête de mort bizarre. Ah, ça me fait penser aux espèces de coloris et de masques de. Le El Dia de los Muertos pour ceux qui connaissent. Hein. Ouais, prends ton cookie toi. Ah, d'accord, c'est un chacun. Je pensais qu'on partageait, c'est pour ça. Du coup, voilà pourquoi ça me fait penser à. Ah non, c'est du chocolat blanc. C'est du chocolat blanc? Putain, tout ce que t'aimes pas. Tout ce qu'il aime pas dans cette dégustation, c'est génial. Bon, bah ça ressemble à un œuf, il a pas de visage. Et moi j'ai un demi-œuf. Par contre, j'aime pas le chocolat blanc. Franchement, il y a pas beaucoup de choses que je n'aime pas. Et t'as acheté genre 90% des choses que je n'aime pas. Il manque un peu que j'ai pris un truc à un coco et puis c'était fini. C'est bon ça. Moi j'adore. C'est bon. Mmh. Je l'ai gardé. Ça a le goût Kinder. Ouais. Tu sais, l'intérieur du Kinder. Ouais, ça a le goût, c'est super bon. Ouais, bah moi je. Franchement, c'est super bon. Bon bah écoutez. C'est tout ce que nous avons. Si on nous a offert aussi un petit paquet de nerds qui n'a certainement aucun rapport avec Halloween, et voilà, c'était juste. Voilà, ils nous ont offert ça. Voilà. Ah. Voilà. J'ai l'arrière-goût encore de cette tête verte qui me reste. Ah non, en plus, c'est tout à c'était horrible pour le vert. Le vert. Oh mon dieu. Ok, alors sur ce. Eh bien, écoutez. Du coup, on vous laisse sur cette dégustation spéciale Halloween, on espère qu'elle vous aura plu. C'était bien dégueulasse. Ah, franchement, c'était bien dégueulasse. Hein. Voilà, et pour ceux qui regardent la vidéo le jour de sa sortie, on se dit à demain pour la Paris Games Week. Pour ceux qui voilà. Prennent. Et sinon, on se dit à ce soir pour le live Halloween à 22h30, mais d'abord Mario Odyssey à 22h30. Voilà, donc ce soir, toujours pour ceux qui regardent la vidéo le jour même. Voilà, voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye.